Good morning, allez, Idan, les sourds jours de l'Union, Shmet Chayester, Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier, Israël, Shimon, Ben Chayester, Khamchat Myriam, Bat Rondena, Benjamin, Ben Chabiba. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechat Shabbat Perikraf, Bet Mishnah, Gimel, Shover, Dametech, Havit, Vele, Cholemena, Gros, Grot, Bilbat, Chelouit, Kaven, Lassot, Keli. Ven, Nogvin, Megoufa, Shal, Havit, Divri, Rabbi, Yuda, Vachamim, Matirin. Veloï, Kevena, Mitsida. Vimaita, Nekouva, Loïten, Alea, Shahava, Vipene, Shéoum, Mareach. אמר רבי יהודה מעשה בעל לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חושש נינו מחטאת. Une Mishnah essentielle par rapport aux lois d'ouverture de toutes sortes de boîtes, de sacs de lait. En Israël, vous savez, on a le sac de lait qu'on met dans le pot en plastique et puis après on coupe. L'ouverture des boîtes en carton, des mouchoirs, l'ouverture des bouteilles. Tout tourne autour de cette Mishnah. Les bases sont claires. Après, la question dans les poskim, c'est de venir, est-ce que ça apparente à... C'est pas apparenté au cas permis, au cas interdit, comme ce qu'on va plus ou moins découvrir. On ne va pas donner un cours de halakha technique, on va étudier la Mishnah, mais en évoquant quand même les sujets qui sont traités autour de la Mishnah. Shover Adam et Chavit, un homme a le droit de casser un tonneau, les chol hemena gros grottes, pour manger d'elle les gros grottes. Les gros grottes, ce sont les figues sèches. À savoir, les figues, on les faisait sécher, puis après, on les tassait dans un tonneau, on enfermait le tonneau, apparemment, on le laissait, j'imagine qu'on les laissait un petit peu macérer, vieillir, comme ça, se coller bien, se prendre en pain. Et on fabriquait comme ça un pain de figues, après on ouvrait le tonneau et on les mangeait. La Mishnah me dit, tu sais, t'as le droit de casser le tonneau à Shabbat pour récupérer les figues qui sont dedans. Par contre, au bilvad, chez lui, de kaven, la sorte qu'il est ma condition de ne pas avoir intention de fabriquer un bel ustensile. C'est-à-dire, si maintenant, le tonneau, une fois que tu as mis les figues dedans, tu l'as fermé, tu lui as annulé son statut de clé. D'accord? À partir de maintenant, c'est plus un ustensile utilisable, agréable à utiliser, pas pratique du tout. Maintenant, lui faire une belle ouverture à ce tonneau, alors là, il y a un problème. Tu transgresses un interdit de fabriquer un kli à Shabbat, tout simplement. D'accord? Le cas, pour le moment, le cas élémentaire du début de la Mishnah, c'est que tu fais un cas sur le tonneau. À distinguer, il y a le tonneau et les couvercles en haut et en bas. Le tonneau, ce sont le cercle avec les bouts de bois. Et puis après, on le fixe en haut, on lui met un couvercle et un socle en dessous. Et ce socle-là, il est fixé d'une certaine manière aussi. On étalait toutes sortes de produits dessus pour bien le maintenir. Alors, à distinguer donc, il y a le gouf du tonneau et la mégoufa. Mégoufa, c'est le couvercle. D'accord? Pour le moment, on parle qu'on va percer le tonneau pour fabriquer un ustensile. Ok? Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Donc, les deux pôles, ils sont clairs. Tu as le droit de casser le tonneau pour récupérer les figues qui sont dedans, mais tu n'as pas le droit de lui faire une belle ouverture. De là découle, par exemple, le principe, on va prendre un cas, je pense que c'est admis, je ne connais pas dans les postes, mais qu'il y en a qui le permettent, je pense que ça, c'est le cas, le vrai cas classique à Sourd, c'est quand les belles boîtes de mouchoirs, c'est plus tellement fréquent, parce qu'aujourd'hui, ils rajoutent un petit couvercle en plastique, mais une belle boîte qui est toute en carton, et tu as une ouverture prédécoupée, qui n'a jamais été décollée, que maintenant, tu dois la décoller pour que ça va faire une belle boîte de laquelle vont sortir les mouchoirs. Je pense que d'après tous les avis, ça, il n'y a pas tellement de permission de fabriquer une boîte pareille à Shabbat. Même si on va trouver quelques autres permissions par rapport aux bouchons, que c'est pas, on n'a pas l'intention de fabriquer, là tu es en train de fabriquer une super boîte pratique pour qu'elle soit bien présentable. De manière générale, vous voulez contourner tous les problèmes, ouvrez, comme c'est précisé dans la Reisha, dans la première partie de la Mishnah, ouvrez toujours de manière détériorée, pas agréable. Les boîtes en plastique des mouchoirs du Shabbat, par exemple, on les découpe, craque-le en haut, comme ça, de manière n'importe comment, que ce soit juste technique pour pouvoir sortir le contenu, mais pas faire une bonne ouverture. Le sac en plastique du lait à Shabbat, il y en a qui le permettent de l'ouvrir, il y en a qui interdisent, il y en a qui préconisent de faire un tout petit trou qui peut juste faire sortir le lait, mais qui n'est pas pratique pour faire rentrer. Chez nous, on a une autre solution très simple, toujours en rapport avec le début de la Mishnah, on plante une dent de fourchette et on tire, et comme ça, ça nous fait une ouverture éclatée, c'est parfait, ça signifie que tu as juste ouvert pour sortir le contenu, pas pour fabriquer un bel ustensile. D'accord? On fait pas le cours de l'Alaha, donc je rentre pas dans savoir qu'est-ce qui est exactement interdit, mais dans l'état, mais dans la banane. Pour le moment, on a donc découvert la Mishnah, le début, les deux pôles. Tu as le droit de casser, mais tu n'as pas le droit de faire une belle ouverture. Pour le moment, on parle sur l'essentiel du tonneau, sur le cercle, les bois qui font le tour. Maintenant, on va s'intéresser sur le couvercle. Ve'en nokvin megoufa shel chavit. La megoufa, attention, c'est pas migoufa, mais c'est megoufa. La megoufa, c'est le couvercle. On n'a pas le droit de perforer le couvercle du tonneau. Et je continue tout de suite, après j'explique exactement. Le Rabbi Yehuda, telle est la vie de Rabbi Yehuda, vachachamim matirim et chachamim permettent. Ou bien, apparemment, le Barthénois, il disait qu'il fallait dire Rabbi Yossi matir. Parce que lui rapporte la vie. Rabbi Yossi matir, mais dans le Mishnah, c'est marqué vachachamim matirim.
Velo et Kevena Mitzida, mais par contre, ce même couvercle, le Kevena, cette mégoufa, le Kevena Mitzida, tu n'auras pas le droit de la perforer sur le côté. Et là, on explique de quoi on parle. On parle cette fois-ci, toujours le même principe, tu as perforé le tonneau, mais cette fois-ci, tu as avec une belle ouverture éventuellement, mais la belle ouverture, tu la fais en haut. Or, en haut, c'est pas pratique. C'est pas l'usage de faire une ouverture pareille à Shabbat. Pourquoi? Parce que après, ça reste ouvert, il va y avoir toutes sortes de saletés qui vont. Les ouvertures, on les fait sur le côté, on ne les fait pas au-dessus. D'accord? C'est l'usage en tout cas. Donc du coup, si tu vas faire l'ouverture au-dessus, peut-être tu as fait une belle ouverture, mais c'est une ouverture qui n'est pas du tout pratique, elle n'est pas intelligente, elle est pas. Donc tu n'as pas fabriqué un ustensile, tu as fabriqué un ustensile mauvais. Donc tu n'as pas fabriqué d'ustensile. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Yehuda, il va te dire, non, cette fois-ci, malgré tout, puisque tu as fait une belle ouverture, là, on commence par. C'est un interdit, mais je crois que j'ai vu que c'est que Midérabanan, que c'est qu'une Midérabanan, où c'est que je l'ai vu. Où c'est que je l'ai vu? Ben, je sais plus. D'accord? Je suis sûr que je l'ai vu, en tout cas. Qui expliquait que c'était que Midérabanan, cette fois-ci. Mais quoi qu'il arrive, Veloï Kevena Mitsida, par contre, tu n'auras pas le droit de la, même le, ce couvercle-là, tu n'auras pas le droit de faire le trou sur le côté, parce que là, ça redevient le même statut que le reste du tonneau, sur le tonneau lui-même. Non, je crois que c'est sur ça, en fait, que le partenaire, il nous dit que c'est des rabananes. D'accord ? Aval mitzida, zimnin de avid, le lanekev, besadam gofa, mishum pitra, venon se le fatra le mana. Non, je crois que c'est un dafka. Là, il précise que c'est interdit, mais de rote. Dafka. D'accord ? Ok. Je continue. Donc, je reprends, on a trois endroits. Il y a l'essentiel du tonneau, le couvercle, et sur le côté du couvercle. Quoi qu'il arrive, tout ce qui est sur le côté, en fait, c'est interdit de faire une belle ouverture. Tu as le droit de faire mettre un coup pour ouvrir et tu l'arraches. Ça, c'est permis. Ce n'est pas une belle ouverture. Mais une belle ouverture, tu as fabriqué un ustensile. Et par contre, par rapport à faire une belle ouverture, mais au-dessus, dans un endroit qui n'est pas pratique, on sort une petite marque technique. Ensuite, maintenant, elle était déjà ouverte. Tu veux la refermer. Vous savez comment refermer? On est allé dessus. De la cire, une sorte de cire qu'on a planissée, qu'on fixait comme ça. Alors la Mishnah me dit, Loïtan allait à Shahava, Mipnesh au Memarach. Il n'aura pas le droit de mettre dessus de la cire pour la fermer. Mipnesh au Memarach, parce qu'il étale un des interdits de Shabbat, c'est Memarach. Une des Melachot Memarach, Memachek, plus précisément dans la Mishnah, s'écrit, s'appelle Memachek. Aplanir, de là découle l'interdit d'étaler toutes sortes de crèmes sur la peau. Je ne parle pas des pommades qui peuvent poser problème. Une pommade qu'on étale pour que ce soit absorbé dans la peau, il y en a qui permettent. C'est un Magan Avraham qui permet. Mais si c'est étalé pour avoir une fine pellicule sur la peau, c'est sûr, d'après tous les avis, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire de manger là. D'accord? Et de là, l'interdit d'étaler. Même principe aussi, étaler la cire. Tout ce qu'on va étaler, recouvrir une surface avec quelque chose, on transgresse l'interdit de Memaréar. Ok? Fréquent, on avait expliqué ça, on avait vu dans la Mishnah plus haut. Avec l'histoire de les bougies à Yom Tov, qu'on a le droit d'allumer les bougies pendant Yom Tov, pour fixer la bougie si on veut la chauffer en dessous, pour bien la fixer, pour bien la coller, on transgresse de nouveau l'interdit de Memaréar, parce que tu fais une fine pellicule en dessous qui va couvrir, qui va se coller avec le bougeoir, entre le bougeoir et la bougie, même principe. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Maase balifne Rabban Yochanan ben Zakkai Barav. Il y a eu une histoire, une anecdote, où on est venu voir Rabbi Yochanan ben Zakkai Barav, en Arabie, je ne sais pas c'était où, un lieu qui s'appelait le Arav, Shem Makom, peut-être à l'ouest, je ne sais pas exactement, c'est un lieu. Vahamar, donc on lui a dit, il y a quelqu'un, il a étalé de la cire. Vahamar, il a dit, Khoshesh Nilomé Khatat, je crains qu'il soit passible d'un korban Khatat, parce qu'il a transgressé un interdit, Minatora a étalé la cire pendant Shabbat. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine à Sakhakol, tout vous salam.